Alors ici j'ai dessiné 65 blocs. Si tu veux, tu peux les compter, il y en a 65. Et en fait, je les ai rangés d'une certaine manière pour qu'on comprenne un peu mieux qu'il y en a 65. En fait, ici, j'en ai dans cette ligne là, j'en ai mis 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Donc là, il y en a 10. Ici, c'est la même bande, il y en a 10 aussi. Là, il y en a 10. Là, il y en a 10 aussi. Là, dans cette bande-là, il y en a encore 10. Et là, il y en a encore 10. Voilà. Donc finalement, chaque bande, c'est 10 blocs. Donc c'est une dizaine de blocs. C'est un groupe de 10 qu'on appelle une dizaine. Et en fait, là, du coup, j'ai pu faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 dizaines. 6 paquets de 10. 6 groupes de 10 si tu préfères. C'est ce qu'on appelle 6 dizaines. Et du coup, ben, en fait, c'est ce que j'ai mis ici. Quand, quand j'écris le nombre 65 comme ça, là, le 6 qui est là, il est à la place des dizaines et il veut dire qu'il y a 6 dizaines. Et effectivement, c'est ce qu'on voit ici. On a compté 6 blocs de 10, donc 6 dizaines. Et puis ensuite, ben, en jaune, là, j'ai mis le nombre d'unités, tout simplement. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 unités. 5 unités voilà donc là c'est comme d'habitude hein, j'écris je peux euh, écrire ce nombre là beaucoup plus rapidement qu'en dessinant des blocs en disant que j'ai 6 dizaines et 5 unités donc ça je peux le je vais, pour que ce soit plus clair hein, je vais l'écrire à côté comme d'habitude on a 65 en fait soit quand j'ai dit 65 ça veut dire 6 dizaines 6 dizaines plus 5 unités plus 5, Unité. Voilà. Alors bon, ça c'est rien de nouveau, je pense que tu es assez familier avec ça. Maintenant, là, on va faire quelque chose. En fait, on va prendre notre nombre 65, celui qui est représenté ici ou là, comme tu préfères, et on va lui soustraire un autre nombre. En fait, on va, pour faire un exemple, on va lui soustraire ce nombre-là. On va faire cette opération-là. 65 moins 40. 40, c'est 4 dizaines et 0 unités. Donc je l'écris comme ça. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est cette opération-là, 65 moins 40. Alors bon, euh, 65, on l'a de représenter ici. Il faut qu'on lui soustrait 40, ça veut dire qu'il faut qu'on enlève en fait 40. Alors 40, c'est 4 dizaines. Donc on va, avoir, on va prendre nos 6 dizaines qui sont là déjà et on va soustraire. On va donc du coup enlever. 4 dizaines. Alors je peux enlever déjà, euh, si je veux, je peux enlever celle-là. Voilà. Je peux enlever celle-là. Bon, j'enlève tous les blocs, hein, j'enlève toute la ligne là. Je peux enlever celle-là aussi. Je peux enlever celle-là aussi. Et là, j'en ai enlevé 1, 2, 3, 4. Donc là, j'ai effectivement pris mes 6 dizaines et j'ai enlevé 4 dizaines. Donc combien est-ce qu'il me reste de dizaines, en fait ben, Il me reste ces deux-là. Hein. Donc il me reste 2 dizaines. Deux dizaines. Et puis, ben, je vais compter maintenant les unités qui me restent. Hein. Là, en fait, quand j'enlève 40, j'enlève 4 dizaines, ça je l'ai déjà fait, et j'enlève 0 unité. Donc j'enlève je, en fait aucune unité. Donc si j'ai cinq unités que j'en enlève aucune, j'en enlève 0, ben, il me reste toujours 5 unités. Donc finalement, il me reste 5 unités. Voilà. Alors du coup, ben, je peux voir combien ça fait maintenant. Hein. Quand je fais 65 moins 40, j'obtiens 2 dizaines plus 5 unités. Alors 2 dizaines, je vais l'écrire comme ça. Alors, je vais, en fait, je vais réécrire l'opération dessous, ça sera plus clair. 65, je vais respecter les couleurs. 65 moins 40. Eh bien, ça fait 2 dizaines. Donc, ça, je mets un 2 à la place des dizaines. Et 5 unités, je mets un 5 à la place des unités. Voilà. Donc, 65 moins 40, ça fait ce nombre-là. 25. 2 dizaines et 5 unités, ça se lit 25. Et bon, on peut voir que ça, ça marche, hein, puisque j'avais 6 dizaines, j'en enlève 4. Donc, 6 moins 4, ça fait 2. Donc, il me reste 2 dizaines. Et puis, j'avais 5 unités, j'en enlève 0. Donc finalement, il me reste 5 moins 0 unités, et 5 moins 0 ça fait 5. Voilà.